Je demande la libération immédiate de Arlette Zaté. Pourquoi je veux qu'on libère cette fille? Je veux qu'on la libère parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous voulons la réconciliation vraie. Nous sommes dans la vérité. Le mensonge ne peut pas passer. Cette fille devait prendre son vol. S'il y a une plainte contre elle, on ne peut pas la prendre de l'aéroport à la Maca. J'ai dit non, il faut qu'on la libère. Si ce sont les injures qu'on nous dit qu'elle a proférées à Simone Babo, il faut qu'on la libère. Parce que dans ce même pays, les politiciens donnent l'argent aux activistes depuis que nous sommes au pouvoir pour insulter en longueur de journée le président de la République, pour insulter en longueur de journée Madame Kadia Camara, qui est en fonction, ministre d'État en fonction, pour insulter les politiciens. Et je m'en vais plus loin pour dire qu'il n'y a pas longtemps, on a insulté Madame Ouattara en France, la première dame, une femme digne, une femme honorable. Ils ont donné l'argent à des activistes en France sur leurs réseaux sociaux pour insulter Madame Ouattara. Nous n'avons pas vu un seul avocat ou des gens qui sont allés porter plainte pour ça. Ça nous fait mal. Parce que qui va vouloir qu'on insulte Madame Ouattara? Surtout nous les femmes qui soutenons Madame Ouattara. Nous les femmes qui soutenons notre parti au pouvoir. Oui, on prend Arlette Zaté, on la met en prison parce qu'elle a parlé de Simone Babo. Il faut qu'on me la libère immédiatement. Sinon, moi-même, j'irai à la Maca m'asseoir avec elle là-bas. Il faut qu'on la libère. Il faut qu'on libère cette fille. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? N'est-ce pas, Madame Babo? Quand on a violé nos femmes à Bobo, qui a dit qu'elles sont allées chercher? Mais elle était une première dame. Oui, pour tout le respect que je dois à Madame Babo, pour la réconciliation vraie, elle aurait dû dire à ses avocats de ne pas faire du mal à cette fille. Moi, je pense que la prison là devait lui servir de leçon. Elle devait être au-dessus de tout ce qui se passe. C'est vrai que ce n'est pas bien d'insulter. Ah, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais depuis plus de 10 ans, bientôt, nous sommes au pouvoir. On insulte le président Ouattara à longueur de journée. On paye les activistes. Et cette fille, qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Elle a volé. Je soutiens Arlette Zaté. Je veux qu'on me la libère. Elle ne peut pas aller en prison. Nous irons à ce procès si possible. Mais mon souhait, que d'ici lundi, qu'on libère la fille, elle va prendre son avion pour aller voir sa famille en France. Il faut qu'on me la libère. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Parce qu'elle soutient Nadi Bamba. Moi-même, je suis là, je soutiens Nadi Bamba. Je soutiens Nadiana Bamba. Je vais le dire. Si c'est soutenir Nadiana Bamba qui fait qu'elle, on va l'arrêter. S'ils ont affaire à Nadiana Bamba, qu'on passe voir les voix. Mais qu'on me libère cette fille. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'avait pas d'escadron de la mort dans ce pays. Nous sommes un pays de paix. Nous voulons la paix. Il faut qu'on me la libère immédiatement.